Le fameux chapeau de l'empereur. Le petit médaillon qu'on a vendu avec la miniature de l'empereur. On joue beaucoup pour la traçabilité sur les inscriptions qui doivent être des peuples, puisqu'on récupérait tout ce que l'empereur pouvait perdre quand il se faisait couper les cheveux. Tout le monde se partageait les cheveux. Le culte n'est pas d'aujourd'hui, le culte était déjà à l'époque. Tout ce qui touchait l'empereur était très important. Numéro 12, statuette de l'empereur Napoléon Ier. Eh bien, commençons à 400, 500, 600, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Et pas de regret. Gravé sur le pourtour en or, fragment de la première étoile de la Légion d'honneur et cheveux de Napoléon Ier. Commençons à 2500. Alors, 2500. 3 000, 500, 4 000, 500, 5 000, 6 000, 6 500, 7 000, 500, 7 500. C'est Guy, 7 500. 8 000, 9 000, 10 000, 10 000 dans la salle. Personne au-dessus de 10 000 et j'adjuge. Adjugé 10 000 dans l'entrée. Le numéro 84. J'ai acheté, monsieur, dans cette vente pour le compte de la haute horlogerie de Vite à Genève. Les cheveux de l'empereur. Vous vouliez ces pièces-là ? Bien sûr, nous voulions ces pièces-là, absolument. Et mon mari, qui est donc le fondateur de l'entreprise de Vite à Genève, haute horlogerie, est un descendant de l'empereur, donc c'est doublement symbolique. Un petit regard, Viviane. Et je peux certifier que Viviane a acheté à la vente aux enchères des cheveux authentiques de Napoléon, dont la provenance est incontestable. Le lot qui a été acheté, le lot avec les cheveux, provient du musée napoléonien de Monaco, comme tous les lots de cette vente. Nous allons mettre des microns de cheveux de l'empereur dans les montres de Vite. C'est-à-dire que quand on achètera une montre de Vite, on aura au bras l'ADN de l'empereur. Incroyable. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour nous qui sommes corses, d'avoir dans les mains les cheveux de l'empereur. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Voilà, Maître Raymond, le président des huissiers de justice de Genève, il nous fait l'honneur aujourd'hui de venir assister à cette opération. Puisque donc nous allons ouvrir sous votre contrôle, mon cher maître, ces deux lots qui ont été achetés dans la vente de Fontainebleau. Il nous est apparu que mettre à l'intérieur d'une montre un petit fragment de cheveux qui serait donc l'ADN de l'empereur, ça serait encore plus fort et ça serait certainement très émouvant pour les gens qui sont des grands admirateurs de l'empereur. Si vous avez la chance d'acquérir une montre de Vite, vous allez avoir à l'intérieur un petit pictogramme de l'empereur et un tout petit bout de cheveux que vous ne pourrez voir qu'à la loupe. Mais vous aurez à votre poignet l'ADN de l'empereur. Alors, mon cher maître, voilà. Si vous voulez bien, voilà. Donc, c'est bien le lot 88. Voilà. On va ouvrir. J'ouvre sous votre contrôle, voilà. Mon cher maître. Oui. C'est donc le descriptif que vous avez eu dans le catalogue. Avec le papier, avec le papier d'époque, ce qui est très important. Il est où ce cheveu exactement ? Il est dans le chapeau. Normalement, vous voyez la grosse goutte de vernis transparent. Il est dans le chapeau, c'est une espèce de petit rectangle allongé. Donc c'est bien clair, c'est bien net. Le cheveu est à l'intérieur.
facile.